ses pensées. Alors que cette adoration-là, elle est aimée d'Allah. Cette adoration-là, elle fait que le jour du jugement, tu as des montagnes de hasanat qui t'attendent. Cette adoration-là éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Cette adoration-là, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, va te permettre d'avoir ton compteur de bonnes actions en pleine forme pendant que tu es dans ta tombe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu seras dans ta tombe, fir kabrik, tes actions ne s'interrompent pas après ta mort. Investi dans la vie d'ici-bas. Alors le prophète il nous dit dans le hadith que vous connaissez tous, qui est authentique, il nous dit que les actions du fils d'Adam s'interrompent après sa mort, ils prennent fin, excepté trois choses parmi elles, sadaqa jariya, une aumône courante. Tu as investi, mon frère, intelligemment, c'est que toi, ma soeur, dans un puits. Les gens font les ablutions, ils boivent de cette eau. Le prophète il a dit, afdalu sadaqa suqya al-ma, la meilleure aumône est de donner de l'eau à boire. Et bien, à chaque fois que les gens vont boire de cette eau, l'eau du puits que tu as donc financé, à chaque fois que les personnes vont faire les ablutions avec cette eau, tu as des hasanat à chaque fois. Et même après ta mort, le puits reste. Et puis, le compteur de hasanat, il ne fait que d'augmenter. Également, tu as investi. Les gens partaient de 6 km pour prendre de l'eau, 6 km. Maintenant, grâce à ce forage, les gens restent ici pour, Mashallah, ils ont de l'eau. Donc, je remercie beaucoup Albiya.